amis téléspectateurs et chaque jour nous sommes là et vous savez des fois je me réveille je réalise ce privilège que Dieu m'a donné un privilège euh, je commençais à prêcher dans les métros moi que vous voyez là sans rien rajouter témoin à l'appui je suis parmi les premiers nègres, les premiers noirs qui a prêché dans le métro parisien dans l'histoire de la France depuis Louis XIV jusqu'à aujourd'hui. Je suis le premier nègre pas le parmi les premiers. Et uh, j'avais 19 ans à l'époque, j'avais 20 ans à peu près donc il y a il y a 27 ans. 27 ans, je prêchais dans le métro parisien. J'ai commencé là et, je suis, et Dieu m'a amené du métro jusqu'à la télévision. Vous voyez, je viens de loin et je tiens à vous dire, lorsque Dieu a un plan pour vous, cela s'accomplira. Ne, ne, ne vous savez, vous pouvez perdre l'argent, vous pouvez perdre euh, euh, la santé. Et vous pouvez tout perdre, mais ne perdez jamais votre foi. Quand vous perdez votre foi, vous êtes perdu. Quand vous perdez votre foi, vous perdez la guerre. Vous pouvez perdre, c'est comme un buteur hein, dans le football, lorsqu'un buteur perd confiance en lui, même les gestes les plus simples qu'il faisait, il ne sait plus le faire. Mais quand un buteur est en pleine confiance, il fait des gestes extraordinaires. Vous ne devez pas perdre votre foi. Je tiens simplement à vous dire, ce n'est pas toujours facile dans ce monde. Ce n'est pas toujours facile. On vit dans un monde, il y a beaucoup de méchanceté, c'est vrai. Il y a beaucoup de jalousie. Beaucoup de méchanceté, des fois. La jalousie vient par des gens que tu ne peux pas t'imaginer, quoi. Il y a même des gens qui vous font la méchanceté gratuite. Une méchanceté qui n'a pas d'explication. C'est comme disait un jeune homme. Il dit, il y a des gens qui pensent que quand ils te salissent, eux deviennent propres. C'est ça. La, la mentalité d'esclave. Vous savez, on n'est pas esclave toujours par accident. Il y en a qui ont été esclaves par accident. Mais souvent, nous oublions qu'il y a deux types d'esclavage. Il y a des esclaves qui sont des captures de guerre. Des captures de guerre parce que quand vous perdez une guerre, on vous prend comme esclave. Vous voyez, comme esclave, c'était comme euh, le, le, le trophée de la victoire de, du gagnant. Ils prennent, ils prennent vos filles, ils prennent vos femmes, ils prennent vos biens. Voyez, là, c'est l'esclave de guerre. Mais il y a l'esclave économique. L'esclavage économique, qui était une forme de système économique. C'est comme si vous avez une dette aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous avez une dette de 200 000 euros, hein, je vais donner une, une, une illustration. Vous devez 200 000 euros à quelqu'un. À l'époque, 200 000 euros représentent le SMIC. Par exemple, le SMIC, c'est 1300 euros. Par an, ça fait 13 000 euros. 13 000 euros dans 10 ans, ça fait 130 000 euros. Et dans 20 ans, 18 ans, après, après ça fait 200 000 euros. Voilà. Alors, comme vous n'avez pas de biens immobiliers ou de, vous n'avez pas de terres à donner, à l'époque, tu devenais esclave de la personne à qui tu, de, tu devais l'argent. C'est-à-dire que tu devais fournir un travail, travailler pour la personne pour pendant... 18 ans. Tu serais son esclave pendant 18 ans. Bien sûr, tu vas travailler dans son champ tu vas faire tout le travail qu'il te demande pendant 18 ans pour rembourser ce que tu lui dois. Ça, c'est l'esclavage économique, qui était un système économique à l'époque. Bon, il y a aussi cette forme d'esclavage qui est une injustice. Quelqu'un qui est libre, qui n'a rien fait du mal, on le capture. Comme on, on capturait les esclaves en Afrique, on l'amène on injustement en Amérique sans raison valable. Vous voyez, là c'est l'esclavage euh, dont nos frères guadeloupéens, les Afro-Américains et antillais, brésiliens, ont été victimes. Donc euh, 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 l'esclavage économique des fois va de pair avec la bêtise humaine. Vous voyez, Quelqu'un qui est un esclave économique, c'est où C'est parce qu'il a mal géré son argent, ou bien il s'est mal comporté, ou il a violé, ou bien il a détruit la, euh, le bien de quelqu'un et qu'il doit rembourser. Il n'a pas le moyen. Et, et, et je remarquais que euh, euh, l'esclavage économique va de pair avec la bêtise. Vous voyez, regardez Sarah. Je parle toujours des de agars. Sarah est agar. Une histoire rocambolesque. Écoutez bien. Sarah n'arrive pas à avoir d'enfant. Écoutez bien, Sarah n'arrive pas à avoir d'enfant. Et désespéré, il dit à Abraham, prends esc mon esclave, Agar. Sarah donne, Sarah donne sa chambre. Sarah donne son lit conjugal à son esclave. Sarah donne sa place au lit à une esclave. Vous voyez, le mari Abraham c'était tout pour Sarah. Abraham c'était la personne, c'était tout pour Sarah. Vous savez quand vous êtes amoureux, c'était pas comme à notre époque où l'amour ne veut rien dire. Hein. Les gens se séparent pour un oui, pour un non. voyez, Vous voilà, voyez, les femmes trompent le mari au travail. Le mari trompe la femme partout. Ça, c'est c'est médiocre. Nous sommes à une époque de médiocrité et c'est malheureux. Et, mais malheureusement, on trouve ça aussi parmi les chrétiens. Mais Sarah donne la place des, des, des règnes à une esclave. Agar va aller au lit avec Abraham. Agar va coucher au lit avec Abraham et elle fait un enfant. Suivez bien. Regardez la réaction de Agar, la médiocrité d'Agar, et cela explique pourquoi elle était esclave, parce qu'elle était ingrate et bête et stupide. Quelqu'un, tu es son esclave. Il a droit de faire tout ce qu'il veut sur toi. Mais il, la personne t'honore. Il te donne son lit conjugal. Il, il accepte que tu ailles au lit avec son mari. Tu n'as même pas la gratitude. Tu n'as même pas la reconnaissance. Au lieu de, au retour de donner la reconnaissance, le respect, l'amour à Sarah, Agar était à la hauteur de sa stupidité elle a commencé à se moquer de Sarah. Elle a commencé à mépriser Sarah. Voyez, c'est un peu, pour ceux qui font du sport, ce matin, je viens d'écrire un truc. On en parle beaucoup de la victoire, du combat de boxe qu'il y a eu entre Nganou, le Camerounais, avec le Britannique Tyson Fury. Bon. Beaucoup de mes frères africains sont en train de se moquer de Tyson Fury. Ah, voilà comment son œil est gonflé. Ah, voilà pourquoi il a triché. Ah, voilà pourquoi il était il a mis KO. Mais ils ont un mépris dans les réseaux. Mes frères africains sont en train de mépriser. Mais j'ai dit, mais arrêtez. Arrêtez. On ne monte pas sur le roche pour se moquer de la terre. Tu ne montes pas sur le roche pour te moquer de la terre parce que le roche, c'est la terre qui la porte. Donc, Tyson Fury est champion du monde incontesté de boxe. Alors, le monsieur, il y a plein de boxeurs qui lui demandent des combats. Le monsieur a des millions. Par combat, il touche 20 millions. Il a des millions. Et il a des gens, Joshua, plein de boxeurs professionnels qui espèrent faire un combat avec lui. Parce qu'un combat avec Tyson Fury, c'est de l'argent, c'est des millions. Mais Tyson Fury a refusé tous les boxeurs. Il a accepté de faire un combat avec un petit Camerounais. De rien du tout. Un petit Africain. Il n'a rien à gagner. S'il veut l'argent, il fait le combat avec des boxeurs. Il a, il a le choix. Mais quand il a lu l'histoire de Ngannou, il a vu le courage de ce gars. Il a vu comment ce gars, il a, il a tout abandonné, tout. Il a eu la compassion. Il a dit, je vais donner une chance à ces garçons. Les gens l'ont pris pour un ridicule. Les gens ont dit, mais il a perdu la tête. Les gens ont dit, mais ce pas un combat. Vous voyez, il a donné la chance. Parce que Ngannou était par terre. Personne ne le regardait. Il avait perdu son titre. On l'a chassé de l'UFC. Mais Tyson Fury a eu la chance de lui donner la chance. Ils ont eu un combat. Le monsieur Ngannou a gagné presque 8 millions. C'est-à-dire que il a gagné... Trois fois, tout ce que, trois fois plus ce qu'il a gagné dans sa carrière. Tyson Fury l'a enrichi. Bon, moi, je dis ce que je pense. Hein. Et Tyson Fury aurait pu le mettre KO dans trois rangs. Il est un professionnel. Mais Tyson Fury a voulu faire un peu du spectacle. Tyson Fury a voulu un peu faire traîner le combat parce que les gens sont venus. Et le combat a duré un peu plus longtemps. En oh, il a aussi une force. Hein. Il a mis KO. Mais au lieu d'être reconnaissant, les Au lieu d'être reconnaissant, ce monsieur m'a sauvé de l'anonymat. Il, il, il m'a fait gagner 8 millions. Il avait le choix. Il, a, il était gentil. Au lieu d'être reconnaissant, euh, je, je, je vois dans les réseaux les Africains qui se moquent de, de Tyson Fury. Son oeil est devenu rouge. Ah, il est allé ceci. Voyez la mentalité. La mentalité, la mentalité, mes amis, il faut qu'on change là. Il faut qu'on change là. C'est bien de prier, hein, mais là doit changer. C'est pour cela que la Bible parle du renouvellement d'intelligence. On va voir cela. Eh, hey, mon Dieu. Ah, il est là. <laughs> J'avais l'impression d'avoir oublié. Renouvellement de l'intelligence. Et, 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 et nous avons des gens qui, 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 qui raisonnent toujours comme des esclaves. L'esclavage est passé déjà, mais ils ont toujours raisonnement comme esclaves. C'est comme ici. J'ai une sœur. Elle travaille à cap On l'a mitée ici à, dans, dans la Grande Terre. Mais ses collègues guadeloupéens ont du mal à, à la respecter. Ses collègues guadeloupéens. cest que la mentalité d'esclave, la petitesse d'esprit. Mais tu vas prendre un blanc, tu l'amènes, tu le mets chef, ils vont le respecter. Comment expliquez-vous ça? Ton frère noir, on le met chef, tu le respectes pas. On prend un blanc ou un Libanais, on le met chef, bonjour, il y aura respecté. Tête ou pas évolué? Tu es toujours esclave dans la tête. Tu as toujours des complexes. Voilà, le renouvellement. D'intelligence. Bon, je crois que c'est... Voilà, c'est un terme biblique. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est ça? Le renouvellement d'intelligence Bible. Voilà. Romains 12, verset 2. On va lire, hein. livre. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc n'ayez pas les mêmes valeurs que les gens de ce siècle présent. N'ayez pas le même raisonnement que les gens de ce siècle présent. C'est un peu ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu doit renouveler votre intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Voyez, le discernement, y a, y a les, on n'a pas toujours besoin d'attendre la voix de Dieu pour savoir ce que Dieu veut qu'on fasse. Et parfois, avec notre intelligence renouvelée. Quand vous avez, de, comment on appelle ça, de, vous, vous avez adopté les valeurs bibliques, vous avez adopté la vision biblique de la vie, vous allez commencer à raisonner avec sagesse. Vous n'aurez pas toujours besoin d'entendre une voix pour savoir qu'il faut que j'aille à gauche, il faut que j'aille à droite. Vous allez naturellement prendre des bonnes décisions parce que vous saurez discerner ce qui est bon, agréable et parfait mais aujourd'hui ce que je constate beaucoup de chrétiens n'ont pas renouvelé leur intelligence alors pour discerner ce qui est bon et agréable et parfait ils demandent à dieu le don de discernement des esprits ou, le, ou la sagesse la parole de sagesse les dons de discernement des esprits ne sont pas faits pour vous aider à discerner ce qui est bon agréable et parfait il y a des choses que Dieu exige que vous-même vous, vous appreniez à faire le bon choix, à discerner. Mais pour arriver à ce stade de discerner des bonnes choses, vous devez avoir une intelligence renouvelée. Voilà, il y a des gens qui pensent, en salissant l'autre, il devient propre. Ah lui, il a fait ceci. Ah lui, il est comme ça. À lui, il a parlé comme ça. À lui, il est ceci. À ce pasteur-là, il est sale. À lui, tu penses que parce que tu parles de lui en mal, toi, tu, tu, tu deviens propre. Il y en a qui sont convaincus que plus il te rabaisse, plus il monte. Il y a des gens qui sont. C'est comme les crabes. Voyez les crabes. Quand vous prenez les crabes, vous le mettez dans une casserole, aucun ne sort. Et chacun essaye de, de rabaisser l'autre pour monter. Et parfois nous sommes comme ça. Hein. Pardonnez-moi de vous dire, dans la culture africaine, nous les afro parfois nous sommes comme ça. Nous sommes toujours en train de nous battre, de nous battre, de copier l'autre, de descendre l'autre. Et en fin de compte, personne ne s'en sort. Quoi. On tombe tous bleus. Pourquoi Parce que dans ta tête, tu penses que le plus grand parmi nous, ouais, ouais, le plus grand parmi nous, voyez, les disciples avaient. Un raisonnement charnel. Il voulait savoir qui est le plus grand. Les disciples, Et Jésus les a trouvés en train de faire un débat. C'est moi, Pierre a dit, c'est moi que je suis le plus grand, parce que moi j'avais reçu une prophétie, c'est moi qui tiens la clé. L'autre a dit, non, Jean dit, c'est moi que je suis le plus grand, parce que je suis le chouchou de Jésus. Ah, Judas a dit, non, c'est moi que je suis le plus grand, je tiens la caisse, c'est moi qui a le sou. Jésus a dit, non. Les plus grands parmi vous, et c'est le serviteur de tous le plus grand parmi vous selon le monde le plus grand parmi vous est celui qui a une grande église celui qui a beaucoup d'argent ou celui voyez c'est comme c'est comme le mot réussite voyez et pour vous c'est quoi la réussite il y a des gens qui pensent que la réussite c'est avoir beaucoup d'argent je réussis ma vie parce qu'il a eu beaucoup d'argent je réussis mais je réussis ma vie hein, parce que j'ai une belle femme. J'ai trois, quatre femmes. Oh, ouais, surtout nous les hommes. Hein? Surtout nous les, femmes, nous, nous les hommes avec la culture afro. Et plus tu as des femmes, plus tu es riche. Ouais, ouais, je, je, je. Les hommes, quand ils ont une femme avec trois maîtresses, ils sont fiers. Hein? Ils marchent. Ils se sentent valorisés, vous voyez. Oui, parce qu'ils ont une intelligence machiste, et héritée de la culture machiste. Vous voyez? Mais par contre, quand quelqu'un a une intelligence renouvelée, il va comprendre que oh, quel pauvre gars! Il est mal dans sa peau, ce monsieur-là. Il est mal dans sa peau, il est malheureux. Il cherche le bonheur au travers des femmes. Une femme ne le suffit pas. Il en prend un deuxième, un troisième, un quatrième. Ça veut dire que quelque part, quelque chose lui manque. Il a un mal-être. Il mérite d'être soigné. Il a un problème. Pauvre gars, il n'est pas heureux. Vous voyez, quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée, quand il t'observe, il ne va pas t'admirer. Il sait que tu es un malheureux. Tu es un malheureux. Vous voyez, un homme qui ne sait pas aimer une femme, c'est parce qu'il est, est malheureux. Il y a un mal-être. Attends, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Je suis homme de Dieu. Depuis l'âge de 13 ans, je commence... 8 ans, je connais Jésus. À 13 ans, je commence à prêcher. Et je peux vous dire que je parle avec de couples. Un homme qui ne sait pas aimer une femme, il y a un mal-être. Il y a quelque chose. Bon, bon parfois, et bien sûr... Il y, a, il, y qui, qui il y a des femmes qui vous amènent dans le désordre. Euh, il y a des femmes qui vous amènent dans l'adultère aussi parce elle ne vous satisfait pas ou parce qu'elle vous refuse au lit. Il y a des cas particuliers. Mais quand tu as une femme normale, tu ne sais pas l'aimer. Il y a un problème. Vous n'avez pas remarqué que la plupart d'hommes les plus riches de la terre sont fidèles. Hein? Bernard Arnault, le plus riche de France, il a sa femme, il est calme, voyez. La, la plupart des hommes qui ont réussi, qui sont riches vraiment dans ce monde, la plupart à 99%, ils ont une famille stable. Les présidents américains, ils ont des familles stables. Obama est fidèle à sa femme. Parce que quand vous avez une famille stable, quand vous avez une femme stable, vous avez la paix dans la maison et vous avez la paix en vous. Vous avez le temps de réfléchir, vous avez le temps de, de faire des projets, vous avez, vous avez une quiétude intérieure. Voyez, la quiétude intérieure est, est, est un terrain propice à l'innovation, à des idées neuves, à des belles idées. Or, il y a des idées qui valent des milliards. Hum? Écoutez-moi bien, il y a des idées qui valent des milliards. Mark Zuckerberg qui a créé Facebook, mais c'était multi-multi-milliardaire mais facebook je pense que tout le monde aurait pu le créer c'est pas très savant hein? les réseaux sociaux facebook ce n'est pas aussi savant que ça même moi j'aurais pu j'aurais pu l'inventer mais j ai, j ai, on n'y a pas pensé voyez mais lui il avait la paix la quiétude et le temps pour y penser. Mais quand vous êtes avec une femme qui vous casse les oreilles, ou vous êtes dans une vie de couple agité, vous avez des maîtresses, voyez? et quand toute votre énergie psychologique, quand toute votre énergie psychique et psychologique est concentrée que pour votre bas-ventre, hein? Vous raisonnez comme un macaque, toujours. Vous accouplez, vous accouplez. Avec la voisine, vous accouplez. Avec le voisin, vous accouplez. Quand vous vous comportez comme un véritable gorille, vous n'avez rien qu'à penser qu'à vous accoupler, à vous accoupler. Voyez? Ah Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Oui, j'ai dit ça. Que Dieu ait pitié de nous. On se comporte parfois comme des gorilles. Vous n'avez pas le temps de penser à ça. Vous n'avez pas le temps de penser à inventer quelque chose. Vous n'avez pas le temps, mes amis. Je tiens à vous dire, j'ai une invention. J'ai une invention que je ne vous ai pas dit. J'ai eu le temps, j'ai inventé quelque chose. C'est bizarre parce que personne au monde y a pensé. Je vais y penser quand même. Personne au monde y a pensé. Je vois si, bon, je vais prier pour ça, si, voir si je peux mettre mon invention, je vais la déclarer et le mettre euh, euh, en Chine, le voilà, fabriquer en Chine. Je vais voir comment je peux faire. Une idée simple et pour les voitures. Hein, J'ai une idée géniale pour les voitures, pour toutes les voitures, et qui est dans le tempo du temps. <laughs> En paradis ça, en paradis autre ça. Non non, non. je garde ça secret. Voyez donc, renouvellement de l'intelligence, c'est quelque chose d'important. Vouloir toujours être numéro un, c'est comme ça. Je demandais à Jean-François un jour, je dis mais Jean-François, c'est quoi la réussite Tu as réussi ta vie Est-ce que tu as réussi sa vie hein? C'est arriver à être en paix avec soi. Être heureux, voyez. Être heureux, tu te réveilles le matin, tu as la joie de vivre, tu vis dans la paix, tu as la joie de vivre, tu as la joie, voyez, voyez. Mais tu, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu perds ton sommeil. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu perds ton sommeil. Tu peux avoir quatre grosses villas, mais tu ne dors pas en paix. Un jour, jean m'a dit mais, mais il y a des gens qui couillonnent les autres, mais qui sont bien, qui sont riches, qui réussissent leur vie. Ah bon Mais quand vous couillonnez les gens, la Bible dit et Bien mal acquis ne profite jamais. Le bien mal acquis. On peut couillonner le monde là, mais tu n'auras pas la paix. Au fond de toi, tu n'auras pas la paix. Croyez-moi. Vous voyez, vous voyez les grands artistes qui ont du succès, du succès, mais ils finissent tous drogués. Ils finissent tous drogués. Ils finissent tous drogués et malheureux. 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 C'est pour cela, en cas des autres, tu as besoin de Jésus. Mon ami, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Et surtout, laisse Jésus conduire ta vie. Écoutez bien, laisse Jésus conduire ta vie. C'est ça le problème que nous avons, païens comme chrétiens. Hier, j'ai rencontré un jeune homme et euh, euh, qui m'a dit "Mes Bishop, il sait pas qui m'ont là, qui a fait popoler, popo, popoler, popo, popo, ça pas t'arrêter, popoler, popo, popo, ou quoi, cassez les oreilles moi, popoler, popo, popo. Oh là là, Jésus, ben ma patience." Je pas qui là. Il choisit seulement quand je fais mon direct pour faire ses propos popo, pour oh la... Là là. Voilà, regardez-moi ça. Ah, juste. Bon, on va continuer. C'est les gens qui commentent mes vidéos. Vous voyez, les bonheurs. Tu peux... Vous savez, tu peux accepter Jésus et finir malheureux. Oh là Jésus, là, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que ces gens-là, mon Dieu? Ça, ça cache au ferait. Attends, ah, je, je vais essayer de mettre le, voilà, je vais essayer de mettre le le, le là. Non, 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 ça, ça devient, ça devient vraiment. Je vais essayer de mettre. Ah, on peut pas mettre des cutters là. C'est pas possible ça. C'est les notifications. Je n'aurais pas dû cliquer sur les notifications parce que c'est excessif, quoi. Bon, c'est vrai, j'ai presque un million d'abonnés. Un million. Ok. Bon, je, on ne s'en occupe pas. Hein? On ne va pas s'en occuper parce que sinon, on devient. voyez, donc, je, je peux vous dire que c'est ça ce qu'on nous a dit. Accepte Jésus et tu seras heureux. Oh Jésus. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui, Seigneur? C'est pas possible. Ça s'arrête pas. Tu n'as qu'à. Mais si je ferme le téléphone, le direct s'arrête. Ah, on peut fermer le téléphone? Eh bon, ok, je vais essayer un peu là. Je vais essayer parce que ça commence à. Oui, je vais essayer ce que ce, ce frère m'a dit. Je n'ai qu'à fermer le téléphone. Attendez, parce que ça commence à... C'est trop quoi, attendez. Mais où... Oui, qu'est-ce que c'est ça? oh baba, yanda, baba, yanda, baba, yanda, baba, baba. Yokuro, baba, Voilà, c'est ça.

Voilà, je, je désactive le son temporairement. OK. OK, je désactive le son temporairement. Ouais, J'espère que ça va marcher. Voilà, donc je disais. Euh, vous voyez, donc euh, on nous a fait croire que lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Parce que Jésus vous donne la vie éternelle gratuitement. Euh, mais pour être heureux, il faut laisser le Saint-Esprit guider ta vie. Pour être heureux, il faut laisser le Saint-Esprit te conduire. Il faut laisser le Saint-Esprit te choisir la femme qu'il te faut. Il faut laisser le Saint-Esprit te montrer le travail qu'il te faut. Il faut laisser le Saint-Esprit te guider dans ton travail. Il faut écouter les conseils du Saint-Esprit. Alors, ma fille Jocelyne, on se verra. Euh, J'essaierai avec vous en Martinique à partir de jeudi. J'ai réservé une semaine entière pour vous, spécialement pour prier pour ta fille. Tu dis à ta fille, j'ai réservé une semaine pour elle et je l'amène un cadeau. Je l'amène aussi un cadeau de la Guadeloupe. Un noix de coco de la Guadeloupe. <laughs> Alors je disais... Il faut laisser le Saint-Esprit te conduire. C'est très important. Vous voyez, c'est comme si on vous donne une voiture avec un chauffeur. Si tu fais confiance au chauffeur, il va conduire ta voiture. Le Saint-Esprit est le chauffeur que Jésus nous a donné. Jésus-Christ s'est dit Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Et, et vous voyez, et quand Jésus-Christ s'est dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, et, et beaucoup de gens pensent à, à une vérité théologique hein, à, il vous conduira dans la bonne doctrine. Il ne s'agit pas de ça. Moi, je pensais comme ça. Je pensais que le Saint-Esprit me conduira dans toute la vérité. Il s'agissait de la vérité doctrinale. Non. Il s'agit. Toute la vérité englobe le, le plan parfait de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Il te montrera, par exemple, où il veut que tu vives. Il te montrera quelle est l'affaire que, que tu dois faire. Il te montrera quel est le métier qu'il te donne. Par exemple, les enfants, à un moment donné, ils, 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 ils cherchent des conseils d'orientation pour savoir sur quelle filiale s'engager. Vous pouvez être un élève intelligent, mais quand vous choisissez la mauvaise filiale, vous allez échouer. Ou bien vous allez réussir vos études, mais être malheureux dans la vie. Voyez. Mais le Saint-Esprit est là pour vous conseiller. Pour vous dire, non, t'engages pas là. Non, cette affaire-là n'est pas bonne pour toi. Non, toi, je t'ai appelé à faire ceci. Mais voyez, il est là pour nous conseiller. Tu as accepté Jésus. Tu es chrétien. Ou bien tu es païen. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu as intérêt à le faire maintenant. Bon, tu le fais. Mais cela ne suffit pas. Maintenant, il faut que tu laisses l'éternel être ton berger. Tu laisses l'éternel conduire ta vie. Tu laisses l'éternel te diriger. D'ailleurs, le Saint-Esprit est appelé Esprit de conseil, Esprit de grâce, Esprit de force, Esprit d'intelligence, Esprit de crainte de l'Éternel. Les cinq doigts. Esprit de force, esprit d'intelligence, esprit de sagesse, esprit de conseil et esprit de crainte de l'Éternel. Donc, quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous communique ses cinq doigts gracieux. Il nous donne des conseils. Oui. Il vous donne des conseils. Il est là pour vous conseiller. Malheureusement, la plupart des fois, on nous a appris que... Prier, c'est monologuer avec Dieu. Voilà. Prier, c'est monologuer avec Dieu. Malheureusement, on nous a appris ça. Prier, c'est parler avec Dieu. Parler à Dieu plutôt. Prier, c'est pas seulement parler à Dieu, mais c'est écouter aussi Dieu. Et le Saint-Esprit a des conseils à nous donner. Croyez-moi, le Saint-Esprit a des conseils à nous donner. Il nous parlait de plusieurs manières. Le Saint-Esprit nous parle. Et, et j'aimerais un jour vous expliquer comment le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit nous parlait de plusieurs manières. Et, 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 L'une des raisons pour laquelle beaucoup de gens n'attendent pas la voix du Saint-Esprit, c'est parce que nous sommes bornés. Le mot là, nous sommes bornés. Il y a des gens qui sont bornés qu'à des visions. Il y en a qui sont bornés. C'est comme je parlais avec un jeune homme. Ah ah, il me dit Mais j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. L'apôtre Paul a vu Jésus. Mais imaginez-vous. Mais ne restez pas bornés. Parce que Dieu a plusieurs modes. Comme je peux dire, Dieu a plusieurs canaux par lesquels il nous communique. Dieu peut te communiquer par des signes dans la nature. Dieu peut te communiquer par des circonstances. Dieu peut te communiquer même par un païen. Dieu peut te communiquer même par ton pasteur. Dieu peut te communiquer par ton enfant. Dieu peut te parler même au travers d'un animal. Oui, Dieu parle de plusieurs manières. Alors si toi, tu es borné, tu penses que Dieu parle que par des songes. Mais Dieu ne sera pas borné pour toi. Dieu te parlera par d'autres modalités que tu vas négliger et tu vas pas prêter attention. Et tu vas dire, mais... Tu ne me parlais pas, ça fait un temps que je prie. Tu ne me parlais pas, il ne me dit rien. Alors qu'il nous parle souvent. C'est le cas de Moïse. J'aimerais vous parler d'un cas de Moïse parce que le cas de Moïse, c'est un cas le plus frappant. De, souvent, nous sommes tentés à, 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 à prendre, à considérer les communications spectaculaires des Saint-Esprit comme bonnes. Or, Dieu n'est pas dans le spectacle. Dieu est dans la simplicité. Dieu se manifeste dans la simplicité pour venir sur terre. Il a pris le corps d'un homme qui est Jésus, Jésus l'homme. On dit, il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Ésaïe 53. Donc, Dieu, euh, Dieu en s'incarnant en, en chair, il, a, il aurait pu prendre le plus beau visage qui existe. Il aurait pu avoir une peau spéciale. Non, on dit, il est venu dans la simplicité. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Je ne sais pas comment était la tête de Jésus, mais quand je vois la tête de ces cinéastes-là qu'on appelle Jésus, de ces comédiens qui jouent le rôle de Jésus, et ils sont d'abord efféminés, ils, ils sont tellement, on les fait tellement beaux qu'ils deviennent efféminés. Mais Dieu est dans la simplicité. Voilà pourquoi les gens compliqués, les gens qui aiment trop les spectaculaires, ont du mal à comprendre Dieu. Dieu, en venant sur terre, il aurait pu naître dans le palais d'Hérode, il aurait pu naître au sommet d'une montagne splendide, il aurait pu naître dans des dans mines d'or. Il est né dans une crèche. Là où les vaches font caca, pardonnez-moi les mots, là où les vaches font popo, sur place, ils urinent. Vous voyez? La vache n'appelle pas le maître pour l'amener faire popo. Quand une vache veut faire popo, c'est sur place. Et puis quand elle veut uriner, c'est sur place. Puis. Et, et popo mélangé avec urine, c'est là où Jésus est né. Tu es tellement simple. Et des fois, c'est pour ça que je dis des fois, et, et quand certains serviteurs de Dieu, tu, tu invites un pasteur, et, et le pasteur te dit, avant que je vienne réserver moi hôtel 5 étoiles, et, et, et louer pour moi une voiture, une voiture quoi, Ferrari, je dis, oh. que c'est triste c'est triste moi, moi un pasteur comme ça je l'invite pas un pasteur comme ça moi je l'invite pas un homme de dieu un homme de dieu tu m'invites avant que je vienne d'abord il te dit il me faut au moins 50 000 dollars il te dit ça il me faut au moins 50 000 dollars après il te dit réserve moi hôtel 5 étoiles après, il t'a dit Je veux rouler en Ferrari. Un homme de Dieu, charnel, fils du diable, descendant de Judas, caïeniste. Malheureux, ça. Malheureux. Ah, moi, je ne voyage qu'en première classe. Ah, pasta. Pasta. C'est pas bon, pasta. Tu t'imagines que parce que tu as voyagé en première classe, tu es devenu grand Tu t'imagines que parce que tu roules en grosse voiture, tu es un grand monsieur C'est quoi ça Dieu se manifeste dans la simplicité. Il est né parmi les vaches. Voilà pourquoi les gens... Qui, euh, qui ne cherchent que les spectaculaires, des fois Dieu leur parle pas. Et c'est comme ça que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait une grâce aux humbles. Parce que les orgueilleux, ils aiment les modalités spectaculaires, les canaux spectaculaires. Ah, je vis un ange qui est descendu et qui m'a enlevé. Alors là, Dieu l'a parlé. On aime trop les spectaculaires. Avec Dieu petit, quitte, quitte petit, quitte petit nangaï, quitte, humilie-toi petit, moi, 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 arrête avec ça, ça marche pas avec Jésus ça. Ça, c'est le royaume du diable. Nous sommes dans le royaume de Jésus. Le royaume, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé une poire arrachée à être égal à Dieu. Mais il a pris la condition humaine. Il s'est humilé jusqu'à la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Mon fils, ma fille, oui, oui, je vous aime beaucoup. On va parler. Et, et, allez sur comme vous aurez mon téléphone. Allez sur comme vous aurez mon téléphone. Et, je vais essayer de répondre. J'ai beaucoup des appels. Hein. Vous voyez sur Facebook. Dans deux mois et demi, nous sommes passés de 16 000 à 88 000 abonnés. Vous voyez, j'avais une page normale Bishop Elie. Pendant 15 ans à 20 ans, on était 16 000 abonnés. J'avais une page Bishop Elie. Pendant 15 ans à 20 ans, on était 16 000 abonnés. Et un jour, je me suis dit, mais. Mariage heureux est sur TikTok, mais il n'y a pas Mariage heureux, mariage heureux sur Facebook. J'ai rebaptisé ma page Mariage heureux et j'ai commencé à envoyer des vidéos sur le mariage là. Dans deux mois, on est passé de 16 000 à 88 000 abonnés. C'est fulgurant. C'est fulgurant. Je crois que dans un an, on sera un million d'abonnés aussi sur Facebook. Donc j'essaye de répondre. Croyez-moi, c'est pas évident. C'est pas évident. Tout le monde m'appelle, m'écrit sur Facebook, sur TikTok. Je suis débordé et que Dieu me fasse grâce, que Dieu me bénisse pour que j'aie le moyen d'embaucher même une secrétaire qui pourra vous répondre. Oui. oui. Voilà. Maintenant, Moïse, écoutez, nous sommes arrivés même là où on devait arriver. Moïse parlait avec Dieu face à face. On va lire ça. Euh, nombre 12 à partir du verset 16. Nombre 12 à partir du verset 16, voyez Voilà, je commence. Verset 6. Nombre 12, verset 6. Écoutez. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison et je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Dieu dit, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, je lui parlerai par des visions et par des songes. Mais ce n'est pas comme ça avec Moïse. Moïse, je lui parle de bouche à bouche, sans énigme, comme des amis. Il voit une représentation de l'éternel. C'est quoi Qui, qui est l'image de Dieu C'est Christ. Donc Moïse était en train de parler avec Jésus comme ça. La représentation de, de l'éternel, c'est Christ. D'après Hébreu, on dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Dieu nous a parlé par des prophètes, mais dans le dernier temps, il nous a parlé par le Fils, qui est l'expression de son être, l'image du Dieu invisible. Voyez? Donc Moïse, lui, parlait comme ça avec Dieu. Spectaculaire. Hein? Je connais ma fille Mayumix, Mayumi, qui me dit Bishop, je vais voir un ange. Je veux que l'Éternel vienne me voir. Je ne sais pas si elle est connectée. Elle veut voir un ange. Elle aimerait... Moi aussi, j'aimerais bien. Hein, j'aimerais bien euh, que tous les soirs, les anges viennent me voir ici. J'aimerais bien tous les soirs jouer, jouer au football avec l'archange Gabriel. « Oh Gabriel, on y va !» Jouer à, à la tennis. Ou bien bavarder un peu. On aimera tous les... On aime tous les surnaturels et... elle et, et, euh, <laughs> dit plus ça. On aime tous les surnaturels et les spectaculaires. Mais... Mais Dieu est tellement dans. Maintenant, vous allez voir maintenant comment a réagi Moïse. Vous allez voir. J'ai trop. La personne à qui Dieu parlait face à face. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Exode 4. Ah bon, je ne retrouve pas ça, attendez un peu. Voilà, bon, bon, je n'ai pas besoin de vous donner le conseil, mais j'ai trop les beaux-pères de, de Moïse. On va, on va, on va, je vais quand même le chercher. Hein. J'ai trop dit à Moïse. Voilà. Voilà. Eh, Exode 18. Voilà. Exode 18. On va aller. Exode 18 à partir du verset 24. Voyez. Exode 18 à partir du verset 24. Voilà. Je commence au verset 20. Bon, je commence à, à 17. Le beau-père de Moïse lui dit. Bon, je commence plutôt verset, hein, verset 7. Moïse sortit au devant de son beau-père. Il se prosterna et il le baisa. Et ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait. À Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. J'ai trop se réjoui de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et je trop dit Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main des Pharaons et qui a, livré le peuple de la main, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. trop beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Araon et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse. En présence de Dieu, Jétro était un Éthiopien. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple s'était devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit: Que fais-tu là avec ce peuple Pourquoi sièges-tu seul Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir Moïse répondit à son beau-père: C'est ce que le peuple sait que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit Ce que tu fais n'est pas bien. Écoutez, hein, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. Qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes, et qu'il prononce eux-mêmes, et qu'il prononce et même sur les petites causes, à ta charge, et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père. Et il fit tout ce qu'il avait dit. Moïse écouta la voix de son beau-père et il fit tout ce qu'il avait dit. Jétro était un Égyptien. Moïse, Éthiopien. Moïse était marié avec une Éthiopienne, hein, une Africaine. Hein, vous qui n'aimez pas les Noirs, voyez la preuve que les Noirs ont révolutionné le monde. Hein. Gardez conseil que vous qui, par racisme, qui pensez que les Noirs sont stupides ou que les Noirs ne sont pas intelligents. trop. Hein? Moïse était marié avec une Éthiopienne. Son père, c'était J'ai trop. Vous voyez Une femme au peau nègre. Un nègre. Vous voyez Il vient corriger Moïse. Vous voyez Il dit à Moïse Mais ta stratégie, ta, ta technique d'administration, ce n'est pas ça. Vous voyez L'intelligence. Les Noirs sont intelligents. Qu'on ne vous mente pas. Et ne croyez pas tous ces maçons où on vous dit que le nègre est bête. Non, non, non. Les noirs sont intelligents. Et, et, sauf que nous avons été tellement rabaissés que nous croyons que nous sommes des incapables. On nous a tellement fait croire que nous ne valons rien, que nous nous méprisons nous-mêmes et nous croyons que nous ne valons rien. Mais le vrai problème, Moïse, il parlait avec Dieu face à face. Et Moïse a ah, écouté, j'ai trop. Moïse n'a pas dit, mais j'ai trop, Dieu m'a rien dit. Ah, j'ai trop, Dieu m'a rien dit. Oh, je parle tout le temps avec Dieu, j'ai trop. Moi, tu connais, mais tu ne me connais pas. Tu oses me parler comme ça. Moi, je parle avec Dieu face à face. Bon, Dieu, se copain à moi. Je parle avec Dieu face à face comme ça, je le vois. Et c'est toi qui viens me conseiller, toi, toi, un Égyptien, toi, un Éthiopien. Tu es mon beau-père. Reste à ta place. Non. Moïse n'était pas orgueilleux. C'est l'orgueil qui vous fait parler comme ça. Hein? Tu n'écoutes plus le conseil des gens. On ne peut plus rien te dire. Dieu hein? me parle, Dieu me parle, Dieu me parle. Je vais d'abord parler avec Dieu. Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me... me parle. Gardez-vous taille. Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle. Tu te pas pour qui L'humilité. Dieu ne parle pas qu'à toi. Il parle à tout le monde. Dieu peut te parler par ton enfant. Dieu peut te parler par ta femme. Dieu peut te parler par ta mère, par ton père. Dieu peut te parler par qui il veut. Voilà pourquoi on doit rester toujours humble. Ah, un homme de Dieu, je suis un homme de Dieu, je suis un homme de Dieu. Hey, eh, mon petit, écoute les conseils des fidèles. Dieu peut te parler au travers de tes fidèles. Écoute, quand on te conseille, écoute d'abord. Hein Ne sois pas borné. Oh, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me. Ah, mon petit, baisse. Moïse parlait avec Dieu face à face. Voilà pourquoi des fois nous, nous allons à côté du plan de Dieu. Quand Dieu veut nous parler, il peut utiliser un oiseau, il peut utiliser un frère, il peut utiliser ta femme. Mais tu méprises tellement ta femme, tu méprises tellement ta femme que tu ne veux pas l'écouter. Voilà, voilà un peu tout ce que je voulais partager avec vous. Alors, chers amis téléspectateurs, j'aime bien quand je prépare mes messages quotidiens. Vous voyez, tous les jours, je dois apporter un message, moi. Je suis quelqu'un qui doit prêcher tous les jours que Dieu a créé. Tous les jours, je dois... Et je prêche 360 jours sur 360 jours. Je vous avoue. Je ne sais pas comment je fais pour ne pas manquer des messages. <laughs> Vous savez, une émission d'une heure comme ça sur R-Info ou bien sur TF1. D'abord, il faut au moins quatre techniciens ou cinq. Un caméraman, deux, trois caméramans, un pépitraire, quelqu'un qui fait de la, le, 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 les lumières. Un, un montage effet il faut au moins 7 personnes mobilisées sur TFR et puis le journaliste il passe presque toute une journée à préparer l'émission il est payé il passe toute une journée mais nous sur télé anti ha, nous sommes des gourba gourba <laughs> sur télé anti nous sommes des gourba gourba je suis seul il y a pas de technicien là hein? Il n'y a pas de technicien. Je suis seul là. Voyez. Fond vert. Seul. À café montage tout seul. Et le message, ça vient par l'esprit. Ah non. Seigneur, merci. Il nous donne l'intelligence. Hein? Dieu nous donne l'intelligence. On fait avec 100 fois moins de moyens ce que les autres font avec 100 fois plus de moyens. Dieu est bon. Dieu est bon. Voilà donc, euh, alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu réalise vos rêves, que Dieu vous fasse prospérer. Hallelujah. Et je vous laisse avec un petit chant. Et puis, bon, je laisse un chant, un chant que j'ai écrit pour le couple. Un chant que j'ai écrit pour le couple. Je vais vous faire écouter ça, OK? À bientôt.